Hicham, par exemple. Ouais. Le Hicham, bon, cette vidéo, elle est sortie, ça en a choqué plus d'un parce qu'à chaque fois, il fait des grandes stories droit dans ses baskets, il n'a rien à se reprocher. Mais c'est rien du tout. Si je Ma vous ville de dis, Fréto en sorte que... voilà, que si je vous dis que là, je vais tout faire pour que ça sorte, je vais faire en sorte que je vais vraiment tout faire pour que ça sorte. Si vous saviez ce que moi j'ai vu, mais Starfada, tous Déjà, le authenticité. Hicham, je ne comprends pas comment il fait des télés après tout ce qu'il a fait à Jazz. Mais là, c'est terminé. Mais là, Intimider, escroquer une femme parce que tu as couché avec, mais mais t'es Jazz, parce que débile. Jazz, elle n'a pas parlé. Si Jazz, elle avait pris la parole, tu crois vraiment C'est dommage qu'elle parle pas justement parce que je comprends pas. Après, je peux comprendre. Tu vois, aujourd'hui, elle a des enfants et tout. Dans 10 ans, ça sera toujours sur Internet. Je peux comprendre qu'elle n'ait pas envie de prendre la parole. Mais en tout cas, sur tous, tu vois, sur tous, sur la tête de moi, que là, dans les jours qui viennent, il y a de nouveaux dossiers qui vont sortir. Je vous fais la promesse, en tout cas, je peux déjà jurer d'avance que s'il y en a un d'entre eux qui refait une télé, je me casse là cette assiette sur la tête. Vous avez Je t'en compris? prépare l'assiette et tout. Non, je suis en train de grailler, c'est pour ça. J'étais à côté ou tu l'avais préparé? Tu n'as pas vu, je mangeais? Ah ouais, non. Sahara, c'est vrai, t'es L'affaire détente. Sahara. Et bon, pendant qu'il y en a certains, ils sont comme ça, toi tu manges à l'aise. Ah, moi, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je suis tellement serein. Et voilà, je peux m'embrouiller avec n'importe qui. Vous pourrez jamais rien contre moi parce que je suis trop droit dans mes pieds. Ouais, C'est-à-dire que moi tu peux pas aussi, j'ai sortir de jamais vidéo de rien fait moi, aux tu peux gens. pas sortir de. Tu vois, bah. Moi aussi. Moi aussi, c'est pour ça que je me permets de défendre qui je veux, quand je veux. Et je suis pas hypocrite, moi. Je les suce pas parce qu'ils C'est font ce de la que je veux te télé, dire. ils sont dans Mais mon... quand tu te permets de venir donner des leçons de morale et de faire des rappels aux gens et de prôner une vie qui n'est pas la tienne, de montrer, de vouloir donner l'exemple alors que toi-même, tu es tout sauf un exemple, tu es un déchet de la société, bah c'est pas C'est bon. pire, lui, hein. Et c'est pire. J'ai bien fait de pas aller à son anniversaire. Là, il m'a envoyé une invitation. Miskine. Tête de Barbie, comme l'a dit Rebecca. Voilà. Wallah, il a une tête de Barbie. Ça va C'est quoi lui, il cette fait histoire? peur. Hein. Une, pas deux. Attends, je suis en train de lire les messages un peu. Bref, tout ça pour dire, oh Maya, là, dans quelques jours, il y a une copine à toi. Je crois que tu n'es pas au courant, mais il y a une copine à toi. C'est une influenceuse très connue que tout le monde connaît en France. Ok. Je vais vous révéler qu'elle se faisait massacrer par son mec. Je suis choqué. J'ai reçu tout à Copine à l'heure, toi. ouais, j'ai reçu tout à l'heure, enfin, une copine, C'est quelqu'un que quoi tu connais, ouais, que tu côtoies. J'ai reçu tout à l'heure des photos d'un compte anonyme. Oh, je suis resté choqué. Donc là, bientôt, je vais vous montrer le vrai visage d'un autre gars encore que tout le monde croit que c'est un bon gars. le peuple réclame le zoo. Ah, la vie de ma mère. Et tu sais, c'est quoi qui me fait de la peine? J'ai Je pas voulais le compris. balancer ce soir, mais j'ai appelé la meuf, l'influenceuse en question, là, et elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, s'il te plaît, Nabil. Donc je lui ai dit que ça sortirait pas ce soir. Mais je lui ai dit que dans tous les cas, j'allais en parler, que je ne pouvais pas garder ça pour moi. Je pense. Ouais, ok. Ah ouais, impossible, impossible. Pas de Sarah TikTok, Fraison. ça va, j'ai pas TikTok. De Rien, quoi? déjà Instagram, laisse-moi parler avec Snap. Même moi, je n'ai pas TikTok. Ouais, non, c'est nul en plus. Non, Marc Blatter. Allô, c'est pas le sujet, il était pas là. Là, on parle des gens qui étaient à Ouais, l'étranger. Mais je vais on parle revenir par des rapport aux personnes autres. présentes. Oh, c'est très très grave. Il y a eu non-assistance à personne en danger. Il y a des personnes dans la salle comme Ahmed, ils sont considérés comme une arme blanche. Ahmed, il a fait de la boxe à haut niveau, professionnel. Et c'est comme ça qu'il se comporte. Tu vois, au-delà des. Franchement, si c'est vrai que ses parents, ils l'ont mis dehors suite à ça et que c'est pour ça qu'il est à l'hôtel, je lui souhaite. Je vais pas dire, je lui T'as pas vu, souhaite. il y a le truc là pour la fumée? C'est lui, il n'y a pas ça quand même. Ouais, c'est vrai, Regardez, je il suis est à d'accord. l'hôtel. Mais je voulais dire, je vais pas dire que je le souhaite, mais il mérite. Et moi, si demain je me comporte comme ça, mais au Wallah que ma mère, elle me déchire du livret de famille. T'es pas mon fils. Elle voit des images comme ça de son fils. Wallah qu'elle n'arriverait plus à me regarder dans les yeux. Tu vois, parce qu'elle va se dire, c'est moi la femme qui l'a éduqué lui là. Tu comprends ce que je veux dire? Donc je comprends qu'il l'ait mis dehors, par Allah. C'est normal. On te met déjà quelqu'un qui rase les cheveux de sa soeur. Qui fait ça déjà? Qui fait ça? Tu frappes ta tante, tu frappes. Bien sûr qu'elle a Exactement. frappé Sarah. Et vous Sarah, ça savez. se voit, Skina, elle a ramassé. Il y avait une vidéo qui avait fuité
où il l'intimidait dans la C'est rue. vrai, je me rappelle, il y avait une vidéo qui avait fuité où dessus, ouais, c'était aussi une agression, Je même vais vous s'ils étaient mariés. expliquer pourquoi moi je déteste Ahmed maintenant. Moi je sortais avec Amir, c'est mon ex. C'est pas nouveau, tout le monde le sait. Ex, c'est un grand mot, mais je le côtoyais. Et Ahmed, en fait, il n'avait pas honte de me prendre en photo, genre une photo normale, et de mettre des moins 18 pour, tu vois, la dernière story, de Ah, mettre pour attirer. pour les yeux, pour. Si tu as cru que j'ai pas de famille, moi tu me mets des moins 18 sur mes photos, mais t'es un. Ouais. Pour que tu vois comment il respecte pas la femme et jusqu'à où il peut aller pour le buzz. Je l'ai insulté de tous les noms et depuis je l'ai là en fait. Je peux plus me le voir et non, ça y est. Je vois sa vraie face. Tous autant qu'ils sont. Là, il y a moyen de faire un strike, de débarrasser la télé et les réseaux sociaux d'une brochette d'ordures. Oh, Allez hop, il y en a plein. barra. Il y en a plein. C'est une honte. Vraiment, c'est une honte ce Voilà, mec. je connais quelqu'un qui fait des rédactions de CV et qui peut les aider s'ils veulent pour Ah trouver ouais, du il est malade. travail. T'imagines, moi, comme si j'avais pas de famille, j'avais pas de. Mais moins 18 sur une photo, juste pour que les gens cliquent ou de la haram. Mais sur ta soeur, moins 18. Même ta soeur, parce qu'elle a moins une façon de parler, mais sur ta soeur, moins 18. J'ai horreur des personnes qui respectent pas les femmes. Bon, allez-y. Bah, allez-y. Mais t'es sûr que Platane n'était pas là? Certains à 1000%. Quel intérêt est-ce que la fille elle avait à me mentir? Demande à la fille. Vas-y. Après toi, tu as parlé avec la fille qui s'est fait frapper. Demande à la fille qui s'est fait frapper si Blatter. En tout cas, moi, l'autre fille qui était là, elle m'a juré qu'il n'était pas là. Ok. Je vais voir. J'ai trop envie Demande de parler de ce quand bref. même. Vas-y. Parce que pour le coup, oui, si il est, c'est pareil. Hein. Tous, s'il s'avère qu'il était là, dans l'appart avec eux, c'est pareil. Ça veut dire que lui aussi, il prend une image, il a fait le Umrah là, il y a pas longtemps. Attends, il y a une, elle a dit, pourquoi tu sors avec les ex de Sarah Mayame? Ahmed, c'est pas mon ex. Avec sa tête de cul, là, comme ça. C'est pas mon ex, moi, ça. Je viens de dire Amir. Et j'étais tout le temps avec le groupe parce que justement, je sortais avec Amir. Ah, ok, je me suis trompée alors. Non, Amir, je sortais avec Amir, pas Ahmed. Ça n'a rien à voir. Et Ahmed, c'était le pote de Amir. Ok. Bref, du coup, là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour eux, Maya? Toi, à Dubaï, il va avoir des procédures. Nous, on va faire des procédures ici en France. Et Ouais, médiatiquement, les pour flics, ces... ils ont déjà le dossier, ils ont déjà ouvert un dossier, ils vont être convoqués. Ils ont tous les noms, toutes les photos, toutes les vidéos, Toutes j'ai les tout vidéos en envoyé. France aussi, hein, c'est en train d'aller super J'ai tout vite. envoyé. Il y a Je quelqu'un suis qui t'a choqué. coeuré. Et vous savez pourquoi c'est en train d'aller aussi vite? C'est grâce à la médiatisation que cette histoire est en train de prendre. Donc, ça veut dire que c'est grâce à vous. Et ça va servir de leçon à tout le monde. Ah, ils vont être comme ça maintenant avant de faire A ou B. C'est pas parce que vous avez des followers et que vous avez de l'argent que vous êtes tout permis, bande de tocards. Mais c'est ça qu'ils croient en fait, c'est pour ça qu'ils intimident les femmes, ils se croient tout permis. Parce que justement, ils ont des abonnés et que leurs mots ils passent au-dessus des autres, genre pas connus, tu vois. Sauf que maintenant, il y a des influenceurs qui se battent pour leur abonnés, il y a des influenceurs qui défendent des bonnes causes et voilà. Ils sont Ouais, là pour ça, tu vois. exactement. Par quoi je voulais finir? Ouais, attends. Qu'est-ce qu'ils disent Oui. à Zo? Ahmed Marni. Oh, dis donc, ton histoire de machin, elle fait parler. Hein. Algérien, recruter les vocaux. Et Marvin. Attends, Marvin, il je s'est exprimé aujourd'hui. Il a fait une story aujourd'hui, Marvin. J'ai pas vu. ne sais pas du tout. Attends, 2 secondes. Parce qu'il y a. Je vais rester là. Faire le live dans l'escalier. Ah. Nabil, t'es grillé pour Blata. Mais vous êtes des malades. Je Mais suis. vous êtes des malades ou quoi? Tu sais que Nabil, c'était l'ennemi de Blatta, moi, avant, tu te rappelles quand j'essayais de vous refaire la paix et tout? Maya, elle a essayé pendant longtemps de nous réconcilier. Ben oui. Aujourd'hui, on a des ententes co cordiales, mais c'est pas mon pote. Et je sais qu'il est sur ce live là avec un faux compte, mais c'est pas mon pote. Et je pense Bien sûr, il est là. qu'on le saura jamais. Par contre, bien sûr que je suis plus en guerre et je préfère travailler. Avec des ententes cordiales avec tout le monde que être en guerre avec tout le monde comme à l'époque. Je veux juste remonter à là. Dylan m'a vraiment déçue, je l'admirais par rapport. Mais c'est faux! C'est faux! C'est ça que vous comprenez pas. Je peux parler ou pas? Parce qu'il m'a dit on va faire un plateau, on peut déjà le dire dans le live. Vous n'avez pas vu Ash Kochi? Ah ben non, parce que c'est l'invité qui t'a parlé.
Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été. En fait, bientôt, vous allez apprendre beaucoup de choses sur Dylan. Voilà. Il y a ce qui monte sur les réseaux sociaux et il y a la face cachée. Vous savez, c'est comme quand on fait un snap, quand on fait une vidéo, on montre quelque chose et puis après, dès que le téléphone se coupe, dès qu'il s'éteint, boum, on peut passer du coq à l'âne. Ça se trouve, on a un grand smile dans la vidéo et puis on va couper le téléphone et puis en fait, la vraie vie reprend. Bah, c'est pareil pour eux. Sur leurs réseaux sociaux, ils vous montrent quelque chose et derrière, c'est tout autre chose. Et comment je vais prendre un plaisir cette semaine et la semaine qui vient là à vous le montrer pour des personnes concrètes, un après l'autre. Moi aussi, j'ai hâte là. Vraiment, j'ai hâte et j'ai plus envie que les gens ne parlent plus. J'ai plus envie qu'ils se sentent, qu'ils se sentent inférieurs à nous parce qu'on a justement des followers. On est tous pareils. Il y a Twitter maintenant pour parler. Hein. Vraiment. N'hésitez pas à parler sur Twitter. On est là pour vous aider. Noémie, elle est là. Noémie, elle est dans le live là. Je vois pas. Je sais pas. Ça me dit faites monter Noémie. Ça sent bon. Ah mais ça m'a dit il y a Nadé dans le live. Nadé, tu veux monter dans le live? Sarah Fraiseau, elle a fait une demande. Attends. Je vois que Sarah Fraiseau. Soirée règlement de compte. Appelez les autres aussi, dites-leur s'ils veulent venir dans le live. On se confronte, moi et eux. Tu veux qu'ils se défendent comment? Tu veux qu'ils se défendent comment, sincèrement? Ils sont indéfendables. Nadé Blatta a dit, je veux les voir, quoi? Je veux les voir s'il y a une seule preuve. Il y a une seule preuve, mais je peux parler ou pas, là, maintenant? Attends. Viens, on l'a fait monter dans le live. Adri, tu veux dire quoi? Vas-y. Attends, parce que elle a dit, est-ce qu'il y a une preuve? Nadé, tu te rappelles pas qu'on traînait ensemble et qu'on a été au zoo, ma chérie, avant que je découvre ton visage de vicieuse et que je t'ai nié? Ça va? Tu te rappelles pas que tu avais des jeux de regard avec le mec? Tu te rappelles ou pas? Et il y a un an, quand j'étais avec Blatta, Dylan, Ahmed, il y avait qui encore? Marvin, il y avait Amir, même ton mari sur la tombe de mon père. Inch'Allah, mon père, il brûle en enfer si je mens. Il a dit que tu le trompais, mot pour mot, il a dit. On est allés ensemble au zoo. Voilà. Écoute-moi, laisse-moi parler, s'il te plaît. Arrête de commenter, tu commenteras après si tu veux, ou bien je te prends direct dans le live. Elle peut pas parce qu'ils sont à l'étranger, elle a dit ça capte mal. Je suis en vacances, ça capte mal, elle a dit. Hein? Elle vient d'écrire sur le live, non, je suis en vacances, ça capte mal. Sur Allah Blatta, il demandait à tout le monde, est-ce que... Non, il disait à tout le monde, même Amir, il me l'avait dit, que Nadé, elle le trompait. Et il m'a posé la question, il m'a dit, Maya, est-ce que je peux te demander quelque chose sur ma... On venait de refaire la paix, lui et moi, parce qu'on était en froid. Je dis, ouais, dis-moi. Il me dit, les amis vont rire. Il me dit, ouais, t'avais vu quelque chose de bizarre au zoo? Parce que je soupçonne Nadé avoir des relations avec le mec du zoo. J'ai dit, non, j'ai rien vu. Alors que sur Allah, il y avait des jeux de regard. C'est bon. Et quand moi, j'étais avec tes enfants, que je jouais avec eux, je restais un peu avec lui, un peu loin, pour regarder des tigres, pour regarder. Voilà. C'est compris, hein. Donc, faut arrêter de démentir, faut arrêter. T'as des relations comme lui. Comme lui, attends, ne parle pas Nabil. Comme lui, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, il n'y a pas de petite meuf fraîche? Lui aussi, il veut te tromper. Et il tire la main comme si tu étais vieille. Hein, après, tu es un peu vieille. Mais moi, Marc, il t'a dit ça à toi? Il t'a dit, il n'y a pas de petite meuf. Sur la tombe de mon père, il m'a dit ça. Il voulait des petites meufs fraîches. Mais hein. Maya. T'as vu, genre par exemple, là quand on parle des quatre zigotos, les quatre bâtards, il y a une vidéo, bam bam, tu peux pas nier. Je te dis t'es un bâtard, tu me dis je suis pas un bâtard, je te dis t'es un bâtard, tiens regarde. Mais là quand on sort un truc... Tu crois mon père c'est... Non, allô, moi j'étais pas là, je suis pas en train de te dire que tu mens Maya, je peux pas te dire que tu mens. Voilà, j'étais pas là, c'est impossible. Ouais mais moi, j'étais là et je ne veux pas inventer et je ne vois pas pourquoi je vais inventer. C'est juste, tu sais pourquoi je parle de ça? Quand ils te disent oui, Amir, il a une petite vidéo de Maya. Ils t'ont dit ça ou pas? Non, ils ont dit que dans un groupe, il y avait une vidéo de toi. Ouais. Je voulais juste avertir, Zama. Il y avait une vidéo dans le groupe. C'est pour ça que j'ai le seum, en fait. Voilà. Bon, là, je m'enflamme pour que je prenne ma gueule. Mais la vidéo, elle comptait pas sortir. Ah ouais, ils veulent buzz, mais nique.
l'escorte, sale fils de l'escorte, et c'est toi l'escorte, sale qahba, sale gros qui cache derrière la religion pour arnaquer les gens. Tu te rappelles l'argent que t'as pris des abonnés avant, espèce de attaï? Non, mais... Maya, Maya. T'as volé de l'argent à des mères qui travaillaient très dur, qui ont cru à ton concours de merde, sale merde que t'es. Ça fait, tu sais ce que t'es, toi? Une petite merde. Il mesure 1m20, il fait le mec. Désolé, on m'a appelé. Du coup, j'ai raccroché. Ah, mais en fait... Plus gros escroc, t'as vu Bouba ce qu'il a mis les audios comme ça? Non, mais attends, du coup, toi et Nadé, attends. Du coup, tranquille. Oh les gars, attends, tranquille, là, faut que je recontextualise parce qu'il s'est passé trop de trucs. 2 minutes, 5 minutes, ok? Cache derrière la religion, elle est niquée. Attends, Maya, laisse-moi poser des questions, toi tu me réponds, ok? Vas-y. Attends, je vois, Marc, il a écrit, il a dit, puis-je monter, s'il te plaît? Fais monter, Marc. Attends. Je le vois pas, ce clochard, il a pas fait de demande. Si, il a mis un message, il a dit, puis-je monter, s'il te plaît? Ah là, ça devient intéressant. Attends, je vois pas comment. Ah si. Panadé, fais monter Marc. Il a dit. J'en ai pour 1 minute. Il en a pour 1 minute. Ajouter, bloquer, supprimer. J'arrive pas. Sur son profil, il est écrit. Attends. Supprimer la vidéo, bloquer Marc, épingler, ajouter au modérateur. J'arrive pas. Il faut qu'il fasse la demande. Ça fait moche quand il y a la... Comment il fait la demande? Mais il faut qu'il fasse la demande, je sais pas, il n'est pas écrit invité. Clochard, il m'a énervé, ça, là, qu'il assume pas. Mais les gens, c'est... Eh, c'est des malades! Je vais faire monter Marc sur mon live, ok? Et ensuite, je fais monter Maya. Le problème, les gars, c'est que ça doit être le deuxième live que je fais de ma vie tout seul. Donc, alors, attendez. Comment on fait? Comment je fais pour ajouter quelqu'un? Il est où, Marc? Oh Marc, envoie-moi un message si t'es là. C'est envoyer la demande. Ah, voir la demande. Non, c'est Nasser, je sais pas quoi. Ah, c'est bon, ok. J'ai accepté la demande de la marque. Normalement, tu devrais... Ah, voilà. Assalamualaikum. Alaykoum salam. Putain, j'aurais jamais pu voir cette image-là un jour. Ce live improbable. ce live complètement fou. Bon, déjà, faudrait expliquer aux gens comment se fait-il que toi et moi, on se parle. Tu veux commencer ou tu veux que je commence? Vas-y, commence. Faut savoir que Nabil et moi, on était en clash pendant de nombreuses, une grosse période, ouais, une très très grosse période. S'en est suivi de longues discussions. Il a commencé d'abord à parler avec Nadé qui a pris le temps d'échanger avec lui. Et en fait, on s'est rendu compte que effectivement, il y avait des gens qui s'amusaient à tirer les ficelles et à monter les gens les uns contre les autres pour qu'ils ne puissent pas travailler ensemble. Je dis bien travailler. On s'est rendu compte que ça arrangeait beaucoup de gens qu'on soit en conflit. Et que, Voilà, comme par exemple avec Aquabeb, avec qui il n'y a plus aucun problème, etc. En fait, les blogueurs, plus tu les sépares, et moins ils font de mal. Et plus tu les rassembles, plus ils peuvent assembler des pièces. Plus ils peuvent faire du mal. Donc, c'est d'où la politique de diviser pour mieux régner. C'est quelque chose qu'on a compris. Exactement, exactement. Voilà. Grosse dédicace à Marco Mouli qui est dans le live. Bon, bref. Dédicace à toi, Marco Mouli, je suis fan. Ok. Frérot, alors je vais commencer. On va commencer, si tu le veux bien, parce que je me suis fait quand même démonter pendant presque 15-20 minutes. J'aimerais bien avoir un droit de réponse, si tu le veux bien. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé déjà avec Maya? Est-ce que vous, avant même de parler de l'histoire, est-ce que vous avez des différends avec Maya? Absolument pas. Si, je peux raconter la vérité. S'il te plaît, deux secondes. Nadé apparemment a des différends avec elle. Moi, j'ai aucun différend avec elle. Et je vais expliquer 2-3 choses et après, on va en parler. D'accord? Ok. Déjà, il y a quelque chose qui doit être mis au clair. Est-ce que tu veux d'abord que je parle de l'affaire des garçons ou est-ce que je m'attaque directement avec l'affaire du zoo qui apparemment. Apparemment, c'est un buzz. C'est une dinguerie, apparemment. Donc, est-ce que on parle de quoi d'abord? On parle de chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Moi, ça m'arrangerait qu'on termine les garçons et comme ça, après, on parle de ce sujet. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon, on va faire ça. Les garçons, moi, je faisais partie de la GTA. Donc, en fait, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Et moi, je ne me cache pas.
en disant oui, c'est pas moi, je suis pas sur la vidéo, etc. Je ne suis pas sur la vidéo, mais j'ai traîné avec eux, donc je suis comme eux. Donc la foudre, je dois me la prendre comme eux. Parce que c'est trop bien de traîner avec des gens, manger des restos, snapper et dire t'es mon frère, t'es mon sang. Et que quand il y a une sauce, tu fais le mec en vacances ou tu le fais le mec, etc. Je suis avec eux, je suis responsable autant qu'eux parce que c'est mes petits frères pour certains, notamment Ahmed, etc. Et Mais ça veut même dire que si. tu aurais cautionné, toi, Marc, là-bas, là, dans cet appartement, tu aurais cautionné? Évidemment que non, je n'aurais pas cautionné parce que déjà, les gens qui me connaissent savent que je ne vais pas, même si, bon, on a vu des photos qui sont sorties quand j'étais un peu plus jeune et je m'en passais, moi, tout le monde le sait, je suis converti, etc. Alhamdoulilah, je traîne pas dans les endroits où il y a de l'alcool, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, après, je fais pas le religieux parce que j'aimerais aussi mettre un point d'honneur là-dessus. C'est trop facile de dire, ils jouent avec la religion. Alors, je vais expliquer aux gens que de faire le religieux sur Internet Oh non, c'est fait grave. faire moins d'argent que quelqu'un qui monte son cul comme Maya. De Comme fou. ça, vous allez le comprendre, ça, une bonne fois Bah, pour elle, toutes. même avec son cul, elle Quelque gagne pas d'argent, chose de toute façon. qui est vendeur, c'est de montrer ses seins, son cul et faire l'escorte et bouffer du caca. Ah, mais... Dans les Ah, top mais... 10 des influenceurs les plus connus, ce sont des filles dévêtues. Ce ne sont pas des musulmans. Donc, C'est s'il vrai. vous plaît, ne Attends. parlez pas trop en Marc, disant c'est vrai, ils jouent avec. je suis d'accord que la Je ne fais pas nudité de fait paris vendre sportif. depuis la nuit des temps. Mais il y a, un mouvement de société là, qui est tout récent ces dernières années, qui fait qu'on sait que le marché français, la communauté musulmane, c'est celle qui paye le plus. Aujourd'hui, les influenceuses les mieux payées en France, c'est Poupette, Soukaina et tout. Pourquoi? Parce qu'elles ont, la communauté musulmane. La communauté musulmane, c'est elle qui paye le plus. C'est encore les influenceuses, enfin, elles font partie des seules influenceuses qui ont gardé leur audience le Covid. Donc, tout le monde sait que c'est intéressant de gagner cette communauté pour nous, les influenceurs sur les réseaux sociaux, pour être plus rentable et se vendre plus cher. Et c'est pour ça que ces dernières années, ils se sont tous maghrébinisés. Je ne sais pas si ça se dit, mais tous de plus en plus, tu les vois faire le ramadan, ils J'ai sont capté, devenus j'ai capté. musulmans, tu vois? Non, après, je pourrais pas dire ça jusqu'à dire on les voit faire le ramadan, parce que je pense que tu étais musulman bien avant de venir sur les réseaux, je le suis bien avant de venir sur les réseaux, et je pense que d'autres personnes également ne se sont pas dit en étant sur les réseaux, tiens, et si je devenais musulman? Et même Oui, si tel était le cas, mais il y en a même certains si. qui montrent, il y en a certains qui montrent que, par exemple, je veux pas donner d'exemple, mais je veux pas donner de nom, mais il y a des gens, ils étaient connus il y a 5 ans, on ne les a jamais vus faire le ramadan, et depuis 2 ans, ils le font. Ils montrent qu'ils font, et juste derrière, ils te montrent une abaya, un placement de produit pour une abaya. Tu vois ce que je veux te dire? Après, tu sais, ce qui me dérange là-dedans, c'est d'être injuste. Parce que c'est bien de faire du buzz sur les réseaux, c'est bien d'avoir des vues, etc. Mais le vrai croyant, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux, on préfère le sang que la franchise et la réalité. Et moi, je parle aux gens qui, quand ils coupent leur téléphone, ils se disent quoi? Est-ce que ce qu'il a dit, c'est vrai ou c'est pas vrai? Je m'en fous des commentaires qu'on m'insulte pas, etc. Moi, je crains d'être injuste envers mon frère. De dire à quelqu'un, tu n'es pas musulmane ou tu n'es pas musulman ou tu joues avec la religion. Parce que ça, c'est des propos qui sont extrêmement graves. Est-ce que tu De penses dire à que quelqu'un. alors, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit, moi, je crains. Redis la phrase que tu as dit exacte. Je crains d'être injuste envers mon frère en D'accord. disant peut-être Est-ce que qu'il est vraiment tu croyant. crains d'être injuste? Est-ce que tu Regarde, penses attends, que juste te coupe, je te coupe. Je qu'ils vais ont été t'expliquer par juste rapport à avec Dylan. cette fille qui leur a Non, mal je vais parlé t'expliquer quelque et qui chose n'a par pas rapport à tenté de les Dylan. voler? Et même après tout ça, Attends, ils sont encore en je train te d'essayer parle de de la meuf, après je te de la réponds après. diffamer en disant elle m'a volé 150 000 euros de Je bijoux. te réponds. Je te réponds après. Juste t'explique par rapport au cas de Dylan, parce que c'est souvent ce qu'on entend, Miskine le pauvre, en disant ouais, voilà, il joue avec la religion, etc. Je suis Là, je. d'accord. Je suis le premier à le dire, je suis Voilà. d'accord. Voilà. Alors, je vais expliquer quelque chose qui sont des faits. Et ensuite, nous tous, en tant qu'êtres humains, parce que là, dans ce live, toi et moi y compris, on est tous des pécheurs. Il n'y a aucun prophète parmi nous, il n'y a aucune personne Je suis parfaite. Et on à a tous des. 1000% d'accord avec toi. Voilà. Et on a tous des Personne n'est péchés. parfait Il n'y a ici. pas de problème. Ça veut dire que ce mec-là, qui est un converti, a appris l'islam. Pas, il l'a appris en cours de chemin, c'est-à-dire avec un certain âge, etc. Il l'a appris en cours de chemin. La manière dont on lui a inculqué l'islam, on ne la connaît pas, ni toi, ni moi, etc. Chacun, il a une conception de l'islam différente. Quand lui, on lui a amené l'islam, on lui a amené avec une certaine étude, avec une certaine école islamique derrière, machin, ceci, cela. Qui plus est, il est issu d'une autre région. Il est luxembourgeois, la mentalité est différente, comme la mentalité est différente entre les Lyonnais, les Marseillais, les Parisiens, les mecs du Nord, etc., etc. Ce qui fait que lorsqu'il extériorise sa religion, et moi je lui ai dit, et d'ailleurs je ne sais pas s'il est dans le live et s'il y est, il pourra le confirmer, je l'ai appelé il n'y a pas longtemps, j'ai pris mes couilles si je puis dire, je l'ai appelé et je me suis excusé envers Dylan. Parce que ce que tu as dit tout à l'heure, je l'ai pensé et je l'ai dit, mais pas, par contre pas sur les réseaux. Je l'ai dit à quelqu'un qui était de la communauté musulmane également, avec qui il était en clash, avec qui je suis ami. Et j'ai eu des mauvais propos envers Dylan. Et il y a un snap de Dylan qu'il a fait, qui m'a arraché le cœur, et je me suis senti
extrêmement mal. Et même en demandant prière dans mes salats, il fallait que je demande pardon à lui au téléphone. Il s'est fait insulter parce qu'il ne connaît pas la Fatiha ou ne sait pas réciter. Nous, alhamdoulilah, on a été facilités. L'arabe, c'est assez facile pour nous, machin, ok, vas-y, pas de galère. Mais, et en plus, on est loin de tout connaître. Il a fait un snap, après toutes les critiques, il a mis sa fierté et son orgueil de côté, et sincère ou pas, il a demandé à ce que quelqu'un lui apprenne des sourates ou des cours islamiques sur les réseaux sociaux. Quand j'ai vu son appel à l'aide, je me suis senti plus qu'une merde. Alors, juste, Marc, je suis d'accord avec toi, sauf que quelqu'un, moi, ma femme, par exemple, elle s'est convertie. Quand elle a, surtout quand il s'agit de la religion, parce que la religion, c'est quelque chose de tellement précieux et de tellement personnel, elle ne demande pas sur les réseaux sociaux. Tu vois, aujourd'hui, il y a des livres, il y a des imams, il y a des gens qui sont là pour te conseiller, pour ne pas t'induire en erreur, etc. Et le fait qu'il se soit fait afficher parce qu'il ne connaissait pas El Fatiha avec tout ce qu'il prenait par la suite et qu'il se dit sur les réseaux sociaux, du coup, j'ai envie d'apprendre, apprenez-moi sur les réseaux. Si tu veux apprendre, mon cher ami, il y a des cours, il y a des gens qui peuvent t'apprendre, il y a des livres. C'est pas en disant sur les réseaux sociaux que je sais pas si tu comprends. Après, par contre, j'ai compris. Peut-être que j'ai toujours été le premier à dire on est dans une ère là, on est dans une ère où on se fait taper dessus à la télévision, de partout dans les médias, les musulmans, les musulmans, les musulmans. Donc, s'il y a des personnes comme Dylan qui ont des millions d'abonnés et qui, eux, montrent une image, bon, ils font de la télé, etc., et qu'ils s'affichent musulmans, c'est aussi bon, j'en suis content. Par contre, il ne faut pas faire d'amalgame entre le musulman qui va vouloir montrer, changer l'image de la religion, parce qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, surtout en France, on essaye de montrer que c'est quelque chose de mal, et le musulman qui va faire ça pour gagner la sympathie de cette communauté qui est ultra active sur les réseaux sociaux, qui achète et qui, une fois que tu as gagné son cœur, parce qu'on est comme ça, son amour, eh ben, elle te suit jusqu'au bout. Et ça, tu le sais, Marc, je le sais. Si maintenant, je fais monter Magali ou Wesley sur ce live, ils me diront, c'est vrai, vous avez une communauté ultra, il n'y a rien à dire, ultra puissante sur les réseaux sociaux. Et tu ne m'enlèveras pas de la tête qu'il y a des personnes très mal intentionnées qui se servent de notre religion pour se valoriser et pour gagner l'amour de cette communauté. C'est fortement possible. En fait, le seul truc que je veux mettre en évidence, c'est qu'aujourd'hui, toi et moi, en tant que musulmans, il ne faut pas qu'on se retrouve à clasher ou en mettre en lumière un musulman auquel toi et moi, on ne peut pas juger ce qu'il a dans sa poitrine et de le mettre en lumière alors qu'il y a des gens qui seraient soi-disant musulmans. Mais t'as raison, c'est vrai. Tu sais, tout à l'heure, je me suis emporté, j'ai fait une piqûre en disant ouais, le musulman que machin. J'étais énervé, j'aurais pas dû faire ça, et t'as raison, c'est un vrai rappel que tu me fais là. Mais c'est pareil, quand tu me dis femme et que tu dis dans ta story que Nabil m'a demandé 30 000 euros, donc moi je t'ai demandé une somme, et quand bien même tu me connais, moi je vais lui demander 30 balles. Tu l'as vu, c'est moi qui t'ai demandé d'accepter une somme d'argent pour nettoyer Ahmed pour pas que ça sorte parce qu'il a une famille. C'est moi qui t'ai demandé, c'est pas toi qui m'as demandé. D'accord. Mais est-ce qu'il y a eu une somme? Donc ça veut dire qu'il a menti délibérément pour essayer en plus de me faire perdre. Il n'a pas menti. C'est des sommes qu'il a échangées avec moi. Donc peut-être qu'il a confondu en disant ah, Nabil a demandé. Parce que l'intermédiaire entre eux et toi, c'est moi. C'est-à-dire que moi, quand je leur ai colporté des informations, ils le prennent comme marché comme valeur sûre. Tu captes? C'est-à-dire ils disent pas ouais, est-ce que ils disent que tout ce que je dis, ça sort de la bouche de Nabil. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un secret pour personne et je m'en suis jamais caché. Je suis quelqu'un qui assume beaucoup de choses dans la vie. Bref, c'est pas le truc. C'est qu'aujourd'hui, s'il fallait payer pour nettoyer Ahmed et que ça ne sorte pas pour sa famille, pas parce que est-ce qu'il doit assumer, il ne doit pas assumer. Si cette fille-là veut que Ahmed assume, elle porte plainte contre lui, etc. Je profite d'être dans ce sujet-là. Donc, je pense que le sujet Dylan, religion, etc., c'est clos. De toute façon, ce n'était pas le sujet du live, la vérité. Ça, c'est juste une goutte d'eau dans l'océan. Je vais venir au fait, à savoir déjà pour commencer, je vais parler pour moi, d'accord. Est-ce que j'étais là ou j'étais pas là? On va parler français. Il y a des caméras au Five Palm partout. Moi, je vous le dis, comme ça va être… Ni Nabil dit la vérité, ni moi, ni Maya, ni personne, d'accord. Il y a personne ici qui dit la vérité. Voilà, on va tous partir du postulat où nous sommes tous des menteurs. La jeune demoiselle ira à la police. Elle ira demander les caméras de la chambre, de numéro, temps, etc. Sur Dubaï et en France, il y a une enquête qui va être ouverte. Mais moi, la fille en noir, pas la fille qui a été frappée. De toute façon, Maya va lui demander. Non, mais même, elle m'a affirmé, elle m'a dit ce que Marvin il a dit. Par contre, c'est faux.
Marc, non, il mais était Marvin, pas là. C'est une autre histoire. Marvin, c'est un. Par contre, elle a aussi dit, il y a plein de choses qui sont fausses. Elle a jamais voulu voler. Il lui a vraiment levé la main dessus et il lui a fait. Bah, j'étais pas là. En fait, le bail, c'est que j'étais pas là. Donc, en fait, de discuter d'une fille qui se plaint de quelque chose auquel je n'étais pas là et quand surtout il s'agit des gens qui sont mes potos, etc., je suis très mal à l'aise. Ça veut dire que le débat, il est biaisé d'avance. Je suis perdant face à toi sur ce débat-là. Tu peux que m'accuser, je peux que fermer ma gueule. Tu veux que je dise quoi? C'est des potes à moi, ils ont merdé. Tu viens, tu me dis la meuf, elle a dit ça. Je vais dire quoi? C'est une menteuse. Alors que j'étais pas là. Je peux ni la traiter de menteuse et ni dire que c'est des mecs bien. Donc je peux que fermer ma gueule, regarder ce qui se passe et vous dire simplement que c'est des jeunes. Il y en a qui sont très très jeunes et ça n'excuse rien. D'accord? Je dis simplement qu'il y a eu des soirées, il y a des filles qui ont été invitées dans des appartements. Donc quand tu vas dans un appartement en tant que jeune fille aussi, il faut voir un petit peu le profil c'était, de ces c'était jeunes des filles. escortes? Ils ont fait appel à des escortes ou c'était des filles comme ça? Allah Warlem, je ne sais pas du tout, frère. Je ne peux même pas dire est-ce que c'était. Je leur demanderai, si tu veux, je te renverrai un message, mais je ne sais même pas si c'est des escortes, pas des escortes, etc. Quoi qu'il en soit, les tenues étaient très affriolantes et on l'a vu dans les vidéos, puisque la preuve en est, elle est juste assise et on voit ses sous-vêtements. Donc, à un moment donné, tu ne te retrouves pas avec 3, 4, 5, 7 influenceurs dans un appartement avec de l'alcool sur la table en pensant que la soirée, c'est juste histoire de. Ce qui ne veut pas dire qu'il doit y avoir bah, des tu te violences. retrouves pas dans un appartement avec 7 personnes, des influenceurs et de l'alcool pour te faire taper dessus non plus. Exactement, exactement. Non, non, je dis simplement que, regarde, nous, ce qui a été dit, je vais te prendre du factuel, ce qui a été dit, c'est de ne pas approcher ce genre d'endroit. Et parmi ces gens qui étaient dans cette soirée-là, il y avait des musulmans, une majorité, et que ce soit des meufs ou les mecs. Les meufs ou les mecs. Donc, c'est bien fait pour tout le monde. Vous savez, j'ai parlé français, là. Vous vous êtes approché des endroits où il y avait de l'alcool, il y avait de la mixité, alors que vous n'aviez pas le droit, vous auriez pu faire des trucs, etc. Assumez-en les conséquences. Voilà. Fin de l'histoire. Ça ne sert à rien de parler de trucs. Dans ce cas-là, va pas en boîte. Ouais. Donc, bref, en gros, le lieu se prêtait à des ambiances très, très mauvaises, entre guillemets. Et c'est vrai que je n'ai pas reconnu, que ce soit Hicham, je ne l'ai pas reconnu dans ses gestes. Mais c'est quelqu'un que je connais énormément. Je le connais vraiment plus que les autres. D'accord? C'est quelqu'un de profondément gentil. Et on l'a bien vu, et tu l'as bien vu également, parce que tu es très proche de Jazz, que sur l'affaire qui a circulé sur les réseaux, il n'a jamais pris la parole. Alors peut-être qu'il se cachait de quelque chose, peut-être qu'il ne se cachait pas. Il n'a jamais pris la parole, mais elle ne l'a jamais pris aussi. Et moi, qui la connais très bien, j'ai été le premier à lui conseiller de la prendre, parce que je te jure que si un jour elle prend la parole… Enfin bref, je ne peux même pas rentrer. Quoi qu'il arrive, il y a des choses à dire des deux côtés. On n'est pas les avocats respectifs. Oui, bien sûr, on n'est pas les avocats ni de l'un ni de l'autre. Moi, j'ai juste jugé ce que moi j'ai vu. Et je trouve ça extrêmement culotté de sa part de balancer la vidéo et de croire qu'en plus, je vais faire une pirouette et retomber sur ses pattes en disant, regardez, je ne l'ai pas frappé. Après, je parle avec elle et c'est sur le mur que j'ai tapé. Non, mais on vit dans quel monde? Après, comme je t'ai dit, ça vaut ce que ça vaut. Je ne sais pas, je n'étais pas là. Mais je le vois mal défoncer le visage d'une fille au point de se faire mal au poignet. Hicham, c'est quelqu'un qui n'est pas violent. C'est-à-dire qu'on ne le connaît pas. Tu m'aurais dit peut-être… Marc, j'ai une vidéo de lui. J'ai une vidéo de lui. Il sait qu'elle existe. Wallah, wallah, wallah. Et tu vas voir qu'elle va sortir très prochainement. Non, mais il doit être dans le live. Il doit être dans le live avec un faux compte. Il n'y a pas de problème. On parle j'ai une vidéo de lui qui dit clairement « Je lui ai niqué sa mère. Oh, je lui ai niqué sa mère. » Est-ce qu'il parle bien d'elle? Parce que tu sais, c'est attends, juste te rebondir là-dessus, c'est comme tout à l'heure. Les gens ils disent Marc Blatta, il n'était pas là. Ils vont ressortir une vidéo où quand on a fait la fausse vidéo avec la GTA où je viens dans la chambre, Nadé, elle vient avec un verre. Ils vont sortir cette vidéo-là pour dire Marc, il était présent. Moi, j'ai parlé français, je parle en caméra, je parle factuel. Il y a le Five Pan, vous pouvez y aller, tout le monde peut aller là-bas, c'est ouvert à tous. Je veux les caméras de tel truc, tel machin, tel truc, et on verra. Tu vois ce que je veux dire? Après, on va revenir sur les faits de violence qu'il y a eu ou pas, etc. Moi, sur la vidéo, je vois quelqu'un où on entend un bruit d'un contact avec un mur et pas avec un visage. On entend une claque, ce que ça fait, et on entend un bruit contre un mur, ce que ça fait. Bah, on entend le bruit de la tarte et le cri juste derrière qui part. Moi j'entends un bruit d'un mur, frérot. Après, on regarde bien la vidéo, je l'ai regardé 10 millions de fois. De toute façon, la vidéo, c'est ce qu'il a fallu pour mettre le feu aux poudres. Le feu aux poudres, le doigt sur quelque chose. Dans les jours qui viennent, les médias, la télévision est en train de reprendre l'affaire. Dans les jours qui viennent, voilà, tu es au courant, il y a d'autres choses qui vont sortir. Et toutes les personnes sur la vidéo, un à un, je vais montrer leur. Si cette vidéo ne suffit pas, c'est pas grave. Il y a d'autres choses en stock. Je vais montrer leur vrai visage. Donc, à la limite, ça, c'est pas grave parce que je sais que dans les jours qui viennent, le temps là va faire son travail. Maintenant, moi, je voulais terminer cette histoire-là avant de passer à l'autre histoire. C'est pour ça que j'ai dit à Maya, arrête de parler, parle-moi d'abord et après on en discute. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est quoi cette histoire à Dubaï avec Maya? Apparemment, toi, tu as dragué Maya. Nadé, elle a dragué le gars du zoo. Frère, tu sais, je vais te dire un truc. T'as vu? Ça me fait de la peine de me justifier avec des gens qui ont 3 de QI ou qui. Eh frérot, regarde, t'es en live avec une personne qui est Abdullah, Maya, j'ai j'ai du cuit, rien moi. contre elle. Oui, mais toi, t'es en live avec quelqu'un qui n'a pas de cerveau. C'est-à-dire que c'est une meuf, pour faire un live avec toi, on voit bien que tu sors de ta douche, t'en bats les couilles. T'es là pour donner une information. Elle est là pour plaire. Elle a mis un filtre, elle a mis 4 kilos de maquillage, elle a mis une robe moulante comme pas possible. Et aujourd'hui, on est tombé là-dedans. On est tombé dans une fille qui fait de son corps une marchandise. Il n'y a qu'à aller sur son Instagram et celui de ma femme pour savoir qui est la plus respectable. Ma femme n'est pas la plus respectable de la planète, mais elle est plus que Maya. Rien que dans sa bouche, la poubelle ambulante qu'elle est, suffit amplement à me dire que je préfère rester avec mon lémurien, comme Booba l'appelle, plutôt qu'avec une fille aussi vulgaire que ça. Eh, ma soeur, t'es saucissonné, on dirait un. Mais non, Marus, tu peux pas me dire des trucs comme ça. Et j'ai rien contre elle parce que c'est une jeune femme qui, malheureusement, elle est fragile. Donc, Moi, c'est je pas vous vrai, tu lui as explique. pas dit, ouais, il n'y a pas des petites jeunes fraîches, des petites jeunettes fraîches, je sais pas quoi. Non, 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 frère. Maya. Eh, frérot, t'as vu, regarde, Maya, c'est pas comme si. Regarde, tu vois, quelqu'un qui pourrait sortir une information sur moi où il y aurait une véracité. Ouais, Hicham. Hicham, je me confie beaucoup à lui. C'est quelqu'un qui est vraiment dans mon intimité. Ouais, là, on peut. Vas-y, truc, Mais lui, machin. il aurait pu Eh, trouver une petite frérot, jeune on est fraîche. arrivé dans un. Regarde, moi, là, je vais parler. Parce que comme ça va être clair. J'ai des vidéos de Maya où elle mange l'argent de Amir et Amir lui dit va te faire bip pour pas être vulgaire. Parce que j'ai une éducation contrairement à elle qui insulte ma femme au quart de tour quand ma femme elle est venue sur le live parce qu'elle pensait qu'elle n'avait pas le courage de venir. Ma femme elle est venue, c'est pas pour lui faire plaisir. Ma femme elle est venue pour la terminer. Je vais vous expliquer quelque chose. Moi je parle et je lis pas les commentaires parce que je parle avec mon cœur pour faire passer un message. Ah, le diable, les gens sont venus le voir. Il y a des gens qui sont venus lui dire, j'ai tué des gens. Il leur a dit, repartez, vous avez rien fait. Il y a des gens qui sont venus le voir qui lui ont dit, j'ai volé, j'ai fait ça, j'ai fait des dingueries. Le diable leur a dit, repartez, vous n'avez rien fait. Il y a quelqu'un qui est venu qui lui a dit au diable, j'ai séparé des gens mariés, j'ai séparé un couple. Il lui a dit, toi, tu fais partie des miens, assieds-toi à ma droite. Et les deux aujourd'hui qui veulent me séparer de ma femme avec qui j'ai 3 enfants, Alhamdulillah. Alhamdulillah, moi, on m'a vu poser mon front à la Mecque. On m'a vu que ostentation, pas ostentation. Et ça, j'ai rien à dire avec ça. Faites-le. Faites-le. Allez le faire avant de juger. Il y a des gens qui n'ont même pas accompli la moitié de leurs piliers qui jugent les autres qui l'ont accompli plus de 4 fois. Ça, Ben c'est honteux. Je ne serai pas après, jugé Marc, par Maya Nia. Je ne sans serai juger, moi je te pas dis la jugé par vérité. Maya Je trouve ça Nia. très bien que tu montres ça sur les réseaux sociaux et tout. Je le Mais montre pour moi. donner envie aux gens. Si je montrais tout ce que je faisais pour la communauté Nabil, wallah que les gens ils seraient choqués. Et je ne le fais pas pour pas tuer mes Hassanet. Ce que je fais, c'est des actes gratuits. L'argent que je sors, je ne le montrerai jamais. Jamais. Et rien que de dire cette phrase-là, c'est déjà beaucoup trop de me mettre dans le péché. Je te le dis, frérot, ce que je montre, c'est des actes gratuits. Des salats, des mosquées, aller à la Mecque, etc. Fin de l'histoire. Maya, ce qu'on voit, c'est maillot de bain, trend beach, je sors avec un trader, j'assume pas. Et aujourd'hui, dans le live, je dis, ah non, c'est mon ex. Non, non, ma grande, c'est pas ton ex. C'est un mec que tu as voulu michetonner, avec qui tu as couché. Et que j'ai des vidéos, moi, contrairement à toi, qui diffament sur ma femme. Et on va plainter contre toi, parce que tu aimes bien les plaintes. Donc, t'inquiète pas que tu en auras une également, parce que j'ai enregistré le Et live. l'escorting, c'est un peu Et interdit à l'escorting, c'est Dubaï. interdit. Donc, et t'inquiète pas qu'on a les preuves également. Et donc, qui plus est, j'ai des vidéos où tu dis à Amir, en vidéo, là, tout de suite, s'il faut Putain, faire je vais écouter, la je vais faire faire écouter. écouter, Amir, ça. s'il te plaît, Moi aussi, ouvre. frérot. Donc, l'argent du trading, soi-disant le voleur, et Nabil est bien placé pour le savoir, puisque Nabil a fait la promotion d'Hanoun et sait que le copy trading, ça fonctionne. Pas chez tout le monde, pas à tous les étages, etc. Il y a des traders qui, malheureusement, ont des moyens plus crédibles. C'est Je une l'ai fait pour vérité. Adnoun, C'est une trois vérité. fois. Et par la suite, Ouais. je m'en suis excusé, j'ai dénoncé, je l'ai mis dans le même sac que tout le monde. Ok. Alors, j'explique simplement que l'argent du trading pour Maya, puisque je ne sais pas ce qu'elle dit, oui, machin, escroc, pas escroc, peu importe, je m'en fous de ce qu'elle dit d'Amir, puisque ça ne me regarde pas Elle moi, a vu gratter mais l'argent. elle a voulu michetonner Amir. Amir s'en est réellement rendu compte et il le savait depuis le début. Il ne s'est jamais affiché avec Maya. Il ne lui a jamais proposé d'être en couple officiellement. Jamais de la vie. Il a juste entretenu des relations avec elle comme il se doit. Elle était consentante et il l'a jetée comme une vieille chaussette. Et j'en ai la Je n'ai preuve pas en tenté. vidéo où on entend sa voix qui supplie en pleurant derrière une Je porte, le supplie. etc. Ça, c'est juste un petit passage. Mon but n'est pas de salir. Mon but, regarde tellement je suis de bonne foi. Mon but n'est pas de salir une sœur parce que ça se peut, elle est beaucoup plus musulmane que la moitié des gens qui nous regardent. Ça se C'est voit. possible.
mais juste pour la remettre et la redescendre à sa place. Donc c'est ce que j'allais dire. Tu sais, moi, je connais des gens, je connais des gens, par exemple, ils ont les moyens d'aller faire la Umrah, d'aller à la Mecque. Mais si tu leur demandes maintenant pourquoi tu ne vas pas à la Mecque, ils vont te dire je ne suis pas prêt parce que je sais que quand je vais rentrer, il y a encore des choses que je fais que ce n'est pas ça, quoi. Tu vois ? Donc, si c'est pour aller à la Mecque et après revenir et reprendre alors que Alors, Nabil, je t'explique mon ref. Par rapport à ça, je suis obligé de te répondre à ça. Quand je me suis converti à l'islam, j'ai demandé, ok, c'est quoi l'islam, etc. Je me suis renseigné. On me parle de piliers. Frérot, on est des gens intelligents qui, avant d'être musulmans, on est des êtres humains et on a été dotés d'un cerveau. Et quand quelqu'un te dit que c'est des piliers, quand tu vas construire une maison, tu commences par les piliers. Tu commences pas par la tapisserie ou la fenêtre. Donc, avant de vos histoires de faux ongles, avant vos histoires de fossiles, etc., faites vos piliers. Construisez vos piliers pour l'au-delà. Et à ce moment-là, on pourra parler de détails. Ça se tient, ce que tu dis, c'est vrai. Et